¿Qué sintió usted el día en que finalmente se firmó ese acuerdo? Au moment de la signature d'accord, c'était un énorme soulagement. Fue un gran alivio. Pas seulement pour moi, mais aussi pour toutes les familles. No solamente para mí, sino para todas las familias. Non pas que ça allait réparer ce qui s'était passé. No porque eso fuera reparar lo que había pasado. Et non pas pour l'aspect financier, puisque l'aspect financier viendrait plus tard. Porque eso fue mucho más tarde. Mais pour la symbolique du fait que l'État libyen reconnaissait sa responsabilité. Libia, el Estado de Libia reconociera su responsabilidad. Ce qui a fait beaucoup de bien aux familles. Lo cual les dio mucho alivio a las familias. Ça a baissé l'ampleur de la colère. Bajó su cólera. Et c'est cette signature qui a permis à ces familles de commencer à se reconstruire. Y esa firma de eso fue lo que les permitió a esas familias reconstruirse. Jusqu'ici, leur compteur temporel était bloqué au 19 septembre 89. A ellos como que se les había parado el tiempo el día del atentado. Mais le symbole du fait que celui qui a perpétré l'attentat reconnaisse que había cometido el atentado reconociera. Ça a été libérateur. Eso los como que los liberó. Ce n'était pas un acte de justice, mais c'était un acte de reconnaissance et de réparation. No fue que pensar que era justicia, pero sí de reconocimiento y de reparación. Mais ça ne remplaçait pas la justice. Pero que eso no reemplazaba la justicia. Puisque les mandats d'arrêt internationaux restent toujours valables jusqu'en 2019. Digamos que todos los elementos legales están vivos hasta el año 2019. Jusqu'en 2019. Hasta el 2019. Donc, ça n'a rien changé sur le plan judiciaire. Desde el punto de vista jurídico, no cambió nada. À tout moment, le procès peut reprendre. Se puede recomenzar el proceso en cualquier momento. Si une des personnes passe une frontière et est arrêtée par Interpol. Pasa una frontera y lo para Interpol. El gobierno de Colombia está empeñado en sacar adelante una ley de víctimas. Aceptar para indemnizar casualmente a 4 millones de personas víctimas del terrorismo. ¿Qué representa eso para una sociedad? Ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est toutes ces victimes. Hay que ver que todas estas víctimas sont victimes parce qu'elles sont. C'est pas elles qui sont visées, c'est un dysfonctionnement de la société. Son víctimas porque no se dirigieron contra ellos. Ese es un problema de la sociedad, es decir, ellos no eran el blanco, esas víctimas. C'est pas quelque chose, elles sont pas visées en tant que telles, individuellement. No, no las buscaban, ellas no eran el blanco individualmente. Elles sont visées pour ce qu'elles représentent. Sino que fueron contra ellas por lo que ellos representan, pero ellas no eran el blanco. Et à ce titre-là, la société a un devoir envers por elles. Por eso, la sociedad tiene un deber frente a ellas. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit que ces victimes sont si dignes. Por eso es que uno ve que estas víctimas son tan dignas. Elles savent qu'elles n'ont rien à se reprocher. Saben que ellas no tienen, esas víctimas saben que ellas no tienen nada que reprocharse a ellas mismas. Et si on ne s'occupe pas de ces victimes, y si uno no se ocupa de esas víctimas, c'est la société entière qui est malade. Se enferma toda la sociedad. ¿Qué hay que hacer para que efectivamente una iniciativa como la del gobierno de Colombia ¿Qué es que il faut faire si tenga efectos prácticos y no se quede en una buena intención? Déjà, il faut avoir du budget pour s'occuper de ça. Pues que hay que tener presupuesto para eso. Il est clair que ça va coûter cher. Es claro que eso va a costar caro. Mais je crois que c'est indispensable pour la reconstruction de la Colombie. Pero que es indispensable para la reconstrucción. Je parle de la société colombienne Yo pour qu'elle soit apaisée. Colombiana. Il est clair que cette loi est très ambitieuse. Es claro que la ley es muy ambiciosa. Parce qu'elle s'attaque à toutes sortes de problèmes. Que eso puede causar toda clase de problemas. Liés à cette violence. Que ce soit le terrorisme, que ce soit les méfaits des paramilitaires, que ce soit le problème des gens qui ont été expropriés, ou que vaya haber problemas con la gente que van a expropiar. Autant de choses
qui bien sûr ne doivent plus exister, mais qu'il faut réparer les plaies du passé. Pero que pues hay que reparar el pasado. Et ça va être difficile parce que... Parce qu'il y a en Colombie des gens qui ont profité de ce système-là. En Colombie, il y a gente qui a aprovechado ese sistema. Et qui vont tout faire pour s'opposer à cette loi. Todo lo posible por oponerse a esa ley. Donc je crois qu'on est devant un projet très ambitieux. Entonces, creo que están frente a un proyecto muy ambicioso, dans lequel il va falloir le maximum de cohésion sociale. Y que hay que tener muchísima cohesión social. Le maximum, il va falloir lutter contre tous les freins qui vont empêcher toutes les volontés qui vont vouloir faire capoter cette loi. Et c'est sûr qu'il y a des gens très puissants aujourd'hui qui ne voudront pas cette loi. Mais c'est une vision à court terme. Il faut absolument que ce système-là se mette en place pour le bénéfice de tous. Parce qu'alors la violence pourra disparaître. Porque entonces así podrá desaparecer la violencia. Et je crois qu'il faut que la société écoute ses victimes. Y que él cree que la sociedad debe escuchar a esas víctimas. Qui ont très souvent réussi à sublimer leur douleur. Que en muchos casos han logrado sublimizar su dolor. Pour être auprès d'autres victimes ou auprès de la société. Para estar junto a otras víctimas y para estar dentro de la sociedad.